haya ngala biyo abi la ono tujirai e diga hose do ye singa antani de goriyo haya ngala biyo abi la ono tujirai e diga hose do Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté donc la capitale à destination de la ville de Tunis, capitale de la République tunisienne, où à l'invitation de son homologue Bechir Raed Sepsi, il effectuera une visite officielle de 48 heures dans ce pays. Cette visite officielle du président Guelleh à Tunis sera avant tout marquée par l'entretien au sommet qu'il aura avec son homologue tunisien au palais de Carthage, le palais présidentiel tunisien. Les voies et moyens de promouvoir et développer davantage des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples seront au cœur des discussions entre les deux dirigeants. L'audience de travail entre les deux présidents débouchera sur la réalisation de séries d'accords bilatéraux. Outre le président tunisien, le chef de l'État djiboutien s'entretiendra également à Tunis avec les principales autres autorités politiques de ce pays, notamment le Premier ministre Youssef Chahed et le président de l'Assemblée des représentants du peuple Mohamed Ennasser. Mais l'actuelle visite du président Guelleh à Tunis est loin de fixer un cadre général de coopération entre les deux pays. Outre des liens anciens d'échange de coopération, les deux nations entretiennent depuis fort longtemps des partenariats privilégiés dans un nombre de secteurs névralgiques. Les deux pays qui avaient autrefois dans les années 80 une coopération très active dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire ont manifestement recentré leur collaboration autour d'un partenariat stratégique dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, accompagne le président de la République dans cette visite officielle en Tunisie. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est donc arrivé en début de soirée à l'aéroport international de Carthage à Tunis. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Kemaïs Dinaoui, le ministre donc conseiller spécial auprès du président de la République, chargé des affaires politiques, ancien premier ministre, Habib Assid, et le gouverneur de Tunis, Al-Shadli Boualeg, la maire de Tunis, Souad Abdelrahim. Un accueil grandiose a été réservé au numéro 1 du de la part des autorités tunisiennes et des étudiants djiboutiens en Tunisie qui étaient présents à l'aéroport pour accueillir le président Guelleh. Allo che la nota e tu con la cane.
la nota. Après un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport avec le ministre tunisien, le cortège présidentiel s'est dirigé vers son lieu de résidence, Qasr al-Iqama à Qamrat, accompagné de Habib al-Sayyid. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a entamé donc sa visite officielle de 48 heures, où il a été accueilli au palais présidentiel de Carthage par son homologue tunisien. Tapis rouge, hymne national des deux pays entonné par la fanfare des gardes d'honneur, le président Guelleh a été accueilli avec les honneurs dus à son rang. Le président Guelleh a salué les différentes troupes des forces maritimes, terrestres et aériennes. Il
Le chef de l'État a eu par la suite un entretien avec son homologue tunisien en présence de deux ministres des Affaires étrangères. Les deux chefs d'État ont évoqué lors de leur rencontre le renforcement davantage des relations bilatérales entre les deux pays dans plusieurs domaines, à savoir la poste, l'information et la télécommunication, l'économie numérique, l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et spéciaux d'une part et la signature d'un programme exécutif pour la coopération culturelle pour les années 2019-2021. Le président tunisien a souhaité la bienvenue à son homologue djiboutien et à la délégation qui l'accompagne. De son côté, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, l'a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. S'en est suivi l'entretien qui a été donc au sommet de cette rencontre élargie aux hauts responsables des deux pays. Le président de la République a donc été entouré des membres de la délégation qui l'accompagne. En aparté, les deux chefs de la diplomatie djiboutienne et tunisienne et leurs équipes respectives d'experts ont parallèlement travaillé pour la finalisation de plusieurs accords bilatéraux. Le chef de l'État poursuit à Tunis sa visite officielle de 48 heures dans ce pays ami. Il a eu donc un entretien en tête-à-tête avec le président Raïd El Sebsi. Le chef de l'État tunisien et son hôte de marque ont ensuite fait un point de presse aux journalistes présents. Le président tunisien a précisé que Djibouti occupe une position géostratégique qui a attiré plusieurs puissances étrangères soucieuses d'assurer la liberté de navigation dans le golfe d'Aden et la mer Rouge, mais des puissances cherchant également à défendre leur intérêt pour leur approvisionnement en ressources minières ou énergétique. Il a souligné qu'une commission mixte a été créée en 2010 afin de renforcer la coopération bilatérale et d'élargir les contacts entre les deux parties. Asmahouli, fil bidaye, an u'abbira an khalis shukri, fakhamatikoum. De son côté, le président Guelleh a exprimé ses remerciements au gouvernement et au peuple tunisien pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Les relations tuniso-djiboutiennes sont historiques, a-t-il indiqué, et nous félicitons les progrès considérables enregistrés ces dernières années au vu de l'intérêt commun des deux pays. Au cours des discussions que nous avons eues, a poursuivi le président Guelleh durant son intervention, nous avons convenu d'aller de l'avant afin de renforcer ses relations au cours de la période à venir, ainsi que le dernier développement dans le monde arabe et la scène internationale et les questions d'intérêt mutuel. Les défis croissants auxquels sont confrontés nos pays ont besoin d'une intégration sérieuse et renforcer les différents mécanismes de champ. Les accords de coopération et les mémorandums d'accord signés aujourd'hui, ainsi que le forum d'affaires qui se tiendra en marge de la visite, réaffirment, a indiqué le président de la République, la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération et de faire progresser leurs relations économiques. Pour terminer, a conclu le chef de l'État, nous voudrions exprimer notre reconnaissance pour votre rôle dans la stabilisation et la promotion du développement en République tunisienne, ainsi que pour l'expérience démocratique de la Tunisie qui est universellement respectée. À noter que 6 accords bilatéraux ont été signés entre les deux parties sur divers domaines. Il s'agit notamment d'une cérémonie de signature de 6 accords bilatéraux qui ont eu lieu en présence des deux chefs d'État. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue tunisien ont paraphé un accord sur l'exemption des visas diplomatiques et services, un accord dans le domaine maritime, un accord sur les technologies de l'information, projet de programme exécutif de coopération mutuelle pour 2019, 2020 et 2021. Les deux ministres chargés du tourisme et de l'artisanat ont également signé, quant à eux, un accord de coopération dans le domaine touristique. Se te deftodila ya ma
ata walina kama hakapiri. Aya da barau sharuraho, aya minji rey dafta. Ilaba aya laguri, laguri bala ayo lagari, lagari warsada lag bay dafta. Abu Musalim. ويساعد في دول الجوار في إحلال السلام في ليبيا وغير ليبيا. جيبوتي وتونس تربطهما علاقات ممتدة في التاريخ. وأنا أتذكر أول مدرس بعد الاستقلال جاءنا من العالم العربي، جاء من تونس، وذاكرتنا حية ما زالت تذكر هؤلاء الأساتذة الذين نشروا العلم والمعرفة واللغة العربية في جيبوتي. وهذا العطاء مستمر من الشعب التونسي إلى الشعب الجيبوتي. اليوم عندنا أساتذة في الكلية الطبية وأيضا خبراء في مجالات مختلفة، وطلاب جيبوتي مرحبون في الجامعات التونسية، وهذا خير دليل على كرم وعطاء الشعب التونسي الشقيق. طبعا في جيبوتي نحن نريد أيضا أن تتطور هذه العلاقات، بالرغم من أنه اللجنة المشتركة الأخيرة انعقدت قبل 8 سنوات. هذا لن يقطع التواصل المستمر بيني وبين أخي مع الوزير الخميس الذي تربطني به علاقات طيبة وتواصل مستمر، وننسق دائما في القضايا التي تهمنا جميعا، سواء كانت قضايا عربية التي تعصف بها الأزمات من سوريا واليمن وليبيا، وقضايا إفريقية. وجيبوتي وتونس مرشحتان لمقعد في مجلس الأمن في السنوات القادمة، وسوف نتبادل أيضا الدعم في هذا المجال. إلغاء التأشيرات هو شيء طبيعي جدا، لأن التواصل بين الشعوب والتواصل بين رجال الأعمال لن يتم إلا بهذه التسهيلات. وأيضا نحن نتحدث بتسهيل النقل البحري وتسهيل النقل الجوي، ونتحدث عن تبادل في تكنولوجيا المعلومات، مجالات كثيرة يعني. ونحن مستعدون في القرار السياسي وغير السياسي، إنه غدا سينعقد منتدى بين رجال الأعمال. نريد فعلا أن يكون للشعب التونسي والشعب الجيبوتي يعني بوتقة يعني يلتقيان بها ويتبادلان كل ما يميزهما، والمزايا كثيرة. ونشكر ونحيي من جديد الشعب التونسي الشقيق، والسلام عليكم. Dans l'après-midi, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a effectué une visite de courtoisie au siège du Parlement tunisien.
À son arrivée, le numéro 1 djiboutien a été reçu par le président du Parlement tunisien, Mohamed Ennasser. Un accueil chaleureux a été réservé au président Guélé ainsi qu'à sa délégation. Et au Parlement, le président de la République a salué les membres du gouvernement tunisien. Il a eu un entretien avec le président du Parlement tunisien en présence du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre délégué au Commerce, ainsi que de l'ambassadeur de Djibouti en France et Ayed Moussaïd de Yahya. Le chef de l'État et le président du Parlement tunisien ont évoqué les voies et moyens de créer un partenariat entre l'Assemblée nationale de Djibouti et le Parlement tunisien afin de bien consolider les liens d'amitié entre les deux peuples frères. Le chef de l'État s'est rendu par la suite à la primature où il a rencontré le Premier ministre Youssef Chahed. Les discussions ont porté sur l'excellence des relations existant entre les deux pays et de les consolider davantage et ouvrir également de nouveaux horizons de coopération et d'entraide dans tous les domaines. A noter qu'une forte délégation ministérielle accompagne le président de la République dans son déplacement en Tunisie ainsi qu'un grand nombre d'hommes d'affaires conduits par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. La visite officielle du président de la République, qui a duré 48 heures, est intervenue sur invitation du président de la République tunisienne, son Excellence M. Baji Qaïd Essebsi. Cette visite a été l'occasion pour les deux leaders de pouvoir échanger sur des questions d'intérêt commun, notamment en matière de sécurité, de politique générale, aussi bien dans le monde arabe que sur le continent africain. La Tunisie et Djibouti ont depuis des décennies une tradition de coopération. Et cette coopération s'est toujours réalisée à travers des commissions mixtes qui se sont déroulées. La dernière d'entre elles s'est déroulée en 2010. Et je crois que 8 années ont passé. Je crois que c'est une longue période, compte tenu aussi de la situation qui a prévalu en Tunisie depuis 2011. Oui, cette commission mixte va être, la prochaine session sera organisée début 2019. Il faut également ajouter à cela que durant cette visite, l'occasion nous a été donnée de pouvoir revisiter certains accords
qui existait déjà en matière de commerce, de promotion du commerce, des investissements, un accord sur l'exemption des visas pour les passeports diplomatiques et de service, notre accord sur les technologies de l'information, un autre accord sur l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, etc., etc. Donc je crois que c'était vraiment une bonne opportunité pour pouvoir relancer cette coopération sur de nouvelles bases. Les deux dirigeants également ont eu un tête-à-tête très prolongé sur les situations qui prévalent dans les pays voisins de la Tunisie, par exemple. La Libye a fait l'objet de discussions très approfondies. Également le Yémen et la Corne de l'Afrique. La Tunisie joue un rôle très important en ce qui concerne la Libye et les initiatives prises par le gouvernement tunisien permettent aujourd'hui d'envisager peut-être des solutions à cette crise qui a trop duré, la crise libyenne. Il y a eu également une rencontre entre le président de la République et le président du Parlement tunisien avec un certain nombre de parlementaires issus de formations politiques différentes, de l'opposition, etc., et de la majorité. Nous savons que le spectre des partis politiques en Tunisie est très varié et ça a été l'occasion pour le président de la République de les entendre, de les écouter et d'échanger avec eux. Tout de suite après, dans l'après-midi, le chef de l'État s'est rendu à la primature où il a rencontré le Premier ministre pour mettre un peu les dernières retouches sur les questions techniques en matière de coopération, surtout sur la formation professionnelle où la Tunisie a une expérience avérée. Aujourd'hui, le président de la République se rend donc à l'UTICA, qui est un peu la chambre de commerce du patronat tunisien, et il aura l'occasion également d'échanger avec ce patronat tunisien pour pouvoir justement attirer ou faire en sorte que les investissements tunisiens puissent arriver vers Djibouti. Le président également, accompagné par un grand nombre d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires djiboutiens, ce sera également l'occasion pour eux de pouvoir échanger avec leurs homologues tunisiens. Voilà une visite qui était attendue, qui était importante. Et le président de la République a adressé à son homologue tunisien également une invitation à venir visiter Djibouti. Voilà, en substance, les tenants et les aboutissants de cette visite officielle du président de la République en Tunisie. Dans le cadre de sa visite officielle de deux jours à Tunis, le chef de l'État a présidé, au siège donc de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, un forum économique Tunisie-Djibouti entre les communautés d'affaires des deux pays dans le thème et pour un partenariat stratégique afin d'accéder au marché du COMESA. Cette réunion est placée sous le patronage du Premier ministre tunisien Youssouf Al-Chahed. Ce forum est organisé conjointement par l'UTICA et le TAPC, Tunisia Africa Business Council, avec la participation de la Chambre de commerce de Djibouti. Il vise à consolider les deux relations économiques entre les deux pays et à impulser des projets de partenariat entre les hommes d'affaires tunisiens et djiboutiens. Une importante délégation multisectorielle d'hommes d'affaires djiboutiens conduite par le président de la Chambre de commerce Youssouf Moussa Dawale ainsi que le directeur de l'Agence nationale de la promotion des investissements Mahdi Dalal Obsiye et la directrice de l'OTPIC Oulufa Ismail Abdou participent à cet événement important et le président de la République à son arrivée a été reçu par le Premier ministre tunisien, le président de l'UTICA, le président du TAPC, les ministres tunisiens et des hommes d'affaires tunisiens également qui ont accueilli le chef de l'État. Et cet événement fut un haut lieu d'échange d'informations sur les opportunités d'investissement dans les deux pays, notamment pour les communautés d'affaires de Djibouti et de Tunisie, largement représentées à ce forum économique. Les opérateurs économiques donc privés de Djibouti qui ont pris part à ce forum d'affaires placé sous l'égide du président Guelleh et du Premier ministre tunisien étaient constitués du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, et d'une vingtaine d'hommes d'affaires de notre pays. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة، حضرة الأستاذ سمير معجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حضرة الأستاذ سامي الوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيبوتي est sur le passage de la deuxième route maritime la plus fréquentée du monde et convient parfaitement à tous vos besoins de transformation et de distribution. À cet égard, nous nous sommes efforcés de créer un environnement favorable aux affaires et qui permettrait aux entreprises de prospérer. Nous avons également déployé des efforts importants pour rendre notre administration plus efficace afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de la prestation des services publics. Par conséquent, outre les nombreux avantages dont disposent déjà les investisseurs, tels qu'une économie libérale, une monnaie librement convertible liée au dollar américain et un système financier permettant le transfert des devises sans restriction, nous avons mis en place des réformes concernant la faillite et la protection des petits investisseurs, entre autres, qui ont placé Djibouti dans les listes des 10 principaux réformateurs dans le dernier rapport Doing Business. Cela démontre notre détermination à créer un environnement propice à la promotion d'un secteur privé prospère et dynamique, comprenant à la fois des petites et des grandes entreprises, afin de faire de Djibouti un pays à revenus intermédiaires au cours des prochaines décennies. Notre stratégie de développement accorde aussi une large place à la maîtrise et à l'utilisation la plus large des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un secteur où l'expérience et le savoir-faire de la Tunisie peuvent permettre à ces entreprises de devenir un partenaire important de notre pays. Je suis persuadé que les hommes d'affaires tunisiens sauront saisir les opportunités qui s'offrent dans tous ces domaines, en tenant compte notamment de l'importance que représente Djibouti et de sa situation privilégiée qui la destine à un rôle majeur dans les courants économiques et commerciaux de l'Afrique de l'Est et son grand marché dit comme ça. Nous sommes impatients de vous accueillir à Djibouti en tant qu'investisseur et partenaire. Nous vous encourageons à vous joindre à nous dans la quête d'un avenir radieux et prospère pour nos deux peuples. En vous remerciant de nouveau pour leurs initiatives que vous avez prises de réunir les entrepreneurs et hommes d'affaires de nos deux pays, je vais vous redire combien j'ai foi en l'avenir de nos relations et combien nous sommes disposés à vous apporter tout l'appui et les encouragements nécessaires. Je ne puis clore mes propos sans rendre hommage appuyé à l'Union tunisienne de l'industrie et du commerce et de l'artisanat, membre du quartet du dialogue national, distingué par le prix Nobel de la paix, son action engagée et citoyenne durant la période post-révolutionnaire. Vive l'amitié djibouto-tunisienne, vive le peuple tunisien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rappelons que plusieurs membres du gouvernement accompagnent le chef de l'État dans ce déplacement en Tunisie et de nombreux hommes d'affaires, réprésidés donc, conduits par le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawalé, avaient accompagné le président de la République dans le cadre de cette visite officielle en Tunisie. Je disais que nous sommes très heureux d'être ici à Tunis
et qu'il y ait un accueil chaleureux qui nous est réservé. Nous faisons partie de la délégation pour que nous puissions aujourd'hui travailler avec la partie tunisienne. Nous sommes au siège de l'UTICA et nous comptons travailler, comme vous avez vu, d'un partenariat pour faire des investissements à Djibouti dans le cadre d'une relation, je dirais, avancée entre la Tunisie et Djibouti. Justement, dans le discours du président de l'UTICA, il était question qu'il y ait une visite organisée en décembre dans le cadre de la foire internationale de Djibouti. Donc ça serait une bonne opportunité pour nous de recevoir une forte délégation tunisienne et surtout avoir dans le cadre de la foire beaucoup de sociétés tunisiennes qui y participent, puisque la foire internationale de Djibouti devient un événement incontournable de l'Afrique de l'Est aujourd'hui, grâce à Allah et grâce surtout à la stabilité de notre pays et du chef de l'État. Donc aujourd'hui, cette initiative auquel le chef de l'État a participé est le lancement de beaucoup de choses qui vont se dérouler très bientôt dans les cadres justement du partenariat et dans une relation en bonne intelligence avec la Tunisie, qui est un pays frère, comme vous le savez, où nous avons de liens historiques. Donc voilà, c'est le travail, c'est l'aboutissement d'un travail de tant de mois. Aujourd'hui, l'UTICA et également TABC qui ont coordonné cette initiative en bonne intelligence, et je l'ai dit encore, nous permettra par la suite non seulement à nos hommes d'affaires qui sont ici, qui ont accompagné justement le président de la Chambre des commerces, mais également le partenaire, le futur et je l'espère, partenaire économique tunisien. Comme vous le savez, la République de Djibouti avait organisé également, à mon initiative et en collaboration également avec TABC, l'année dernière, en dépêchant plus de 35 chefs d'entreprise tunisiens, sur lesquels d'ailleurs il y a eu beaucoup de résultats, et notamment très prochainement, la République de Djibouti, grâce au forum qui a eu lieu, le forum économique qui a eu lieu à Djibouti l'année dernière, entre autres bien évidemment, aura lieu le premier call center à Djibouti, qui est une initiative d'un partenaire, entre partenaires tunisiens et partenaires djiboutiens, sur lesquels nous félicitons. أنا قلنا أنتي ذي بعمل شركة سكتير بريفيج أنا وحلا كلنا ناي سكتير بريفيج تونيزي رجع يدمر أن كذا كمان ناي جويت أن كذا ماناي مركب ولا كلنا ناي حن كلاسي حن ناي مرتي بارتنيري أن كلاسي حن يا أغريمنت وشر أد وفي عن أو وين أو غانيون غانيون يا الله بدل نعب مرتي لكلا فايدي سنة يو أن أدي أد بنو غفر حي شركة سوق هذا مرتي إني دور ده هجويت يد ودوين ككل ودوين ككل كده حدعان تاسو معنينا إسا بعمل شركة سبيشالي أنا جو كهاد لكوهاد ليا أفكا مجا دمر كبعمل شركة أي تشوبوتي أنا هنا نبايس بريزيدنت كدمر كبعمل شركة إيست أفريكا وحن مرة وبا تاكر سنة هاي دمر كبعمل شركة أي تشوبوتي إني كسو غيب جلان شرار كان عين كانوا كلا نيو بفيلت كي سمارة هاي شقدي سو هاي تهاي يودت كلا كل مايا أنا وحيدة توريزم كا يو ترافل كا يو مرة كشقلا هاي ولا مالا كل ماي on agreement kala seexanay walba tiisu soo la kulmay marka waxa la yahay xoog iyo soo qayb gala in kana faa'ideysta wa shir la kala faa'ideysanayo tunisiyanka iyo djiboutiyanka ba ka aad baan kala faa'ideysanay in waana ku faraxnay madaxweynena qaaliga maanta xaga nala jooga isagana shirki ka soo qayb galay iyo madaxdeena gofermoga djibouti iyo anoon iloobi kareen in shambarki commerce ka iyo bacmi shirki oo rag iyo dumar aan kaga koobanahay وبحضور كوكب من رجال الأعمال ومن رجال الدولة وتوقع اتفاقيات وتنشيط العلاقة البينية بين الإخوة في رجال الأعمال في جيبوتي وفي تونس، وهذا مناسبة عظيمة تعتبر للبلدين، وإن شاء الله تدفع باقتصاد البلدين إلى الأمام وتعمق العلاقة الأخوية وتفيد البلدين اقتصاديا واجتماعيا وتؤسس العلاقات أقوى وأقدم إن شاء الله. ننتظر أن تكون هناك نتائج مثمرة وتأتي على الشعبين بالرخاء وتأتي على قطاع الأعمال بالزيادة والنماء بإذن الله. في علاقات عريقة ومتميزة، بدأت العلاقات منذ سبعينيات العام الماضي وتطورت، وما زيارة فخامة الرئيس لتونس إلا تعزيزا لجذور تلك العلاقات. نحن اليوم خلال المنتدى التقينا بمجموعة من رجال الأعمال والمصرفيين، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة سيكون هنالك نتائج إيجابية لهذه الزيارة، مما سيعكس على البلدين بالخير والنمو.
سوف أو سبق والتقينا خلال اليوم الماضي وسنلتقي اليوم لبناء علاقات مع البنوك التونسية مما سيسهل على رجال الأعمال سواء الجيبوتيين أو التونسيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ويسركوا دلنا ساكونا برارو هبا دلقاشونو تنميتي أبارو دل ميتي مي شامر دي كومير صفاكا طبعا كي كونيا كونيميتي ويسا بريزيزان دل ربيبليز كنا عرسي تلاتة هيرو غرايو كاتبني دولت دولتت تنغوروي دولت عيد فرماميت محا يوك الدائي سيئ مريانين ميا نيني هانوكو شامر دي كومير سمراكين نكو فيرما مي هاي نكادونا أبارو هيان شامر دي كومير سلي ويسا دوما يان ساكونا كادو نيغو فيني سوغيني أسا كادونا نون كن فن نميتي ويسا راكو درين برزان لي برزان فرما فيرما كونفنسيون فيرما هي لكات كادونا إتنا اللي طلبت لنا ملتنا نو أحرى سر كادونا ما بي تو بي يعني هاي بس كل نمو يصير فورا متلين غوروي هن مجدياني بس اللي حبك قبل انه كادونا انه فرو كادو كما حبنا اكل كل